Ok, bah merci à l'Agile Niort d'avoir organisé cet événement, hein. C'est vrai, comme on le disait dans la keynote là. Merci aux sponsors de permettre ça et merci surtout à l'orga quand même, hein, parce qu'à distance, je me demande si c'est pas plus compliqué que sur place, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas tout à fait la même chose à faire, mais c'est quand même bien compliqué. Et puis je vois qu'il y a relativement beaucoup de monde, hein, donc ça c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça nous soude ces événements et ça nous fait du bien. En tout cas, moi je suis très content d'être là. Donc qui je suis? Je suis Xavier Blanc. Hop là, voilà. Donc moi je suis professeur à l'université à Bordeaux. J'enseigne essentiellement la programmation, Scrum. Et on a monté une startup qui s'appelle Promise avec Cédric Téton, Arthur Magne, qui regarde tous les aspects de qualité logicielle. Et depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on a regardé les tests exploratoires. C'est une notion qui est vraiment intéressante, surtout dans un contexte agile. On en fait de plus en plus. Je vois pas mal de talks là-dessus. Ça commence un peu à décoller, j'ai l'impression. Et j'avais envie de vous parler de ça, de voir si vous en faites, si ça vous plaît. Et puis, je vais vous présenter une plateforme qui s'appelle FX, qui permet de gérer les sessions de tests exploratoires avec une IA. Alors, je vais vous aussi vous montrer l'IA. Vous verrez comment ça marche. Voilà, l'idée est qu'on échange, hein, autour des tests exploratoires. Hein, voilà, donc c'est parti. Alors, je commence direct par une petite définition et puis après on en reparlera. Qu'est-ce que sont que les tests exploratoires? Alors, essentiellement, ce sont des tests manuels. Voilà, donc ça c'est très important de le dire. On va tester l'application comme si on était un utilisateur. En fait, on est un utilisateur avec pas mal d'expertise. On connaît bien cette application, on sait comment elle marche. Et donc, c'est cette expertise qui va nous diriger dans nos tests. Quand je dis nous, c'est nous les testeurs. Je me mets dans la peau d'un testeur ici. Donc, moi, je suis testeur, j'ai de l'expertise sur mon application et je commence à naviguer, à utiliser, à explorer cette application. Et en fait, j'ai pas de modèle. C'est-à-dire que j'ai pas un espèce de guide qui va me dire il faut que tu ailles là, il faut que tu cliques là, il faut que tu vérifies ça. Non, j'ai pas du tout de modèle, je fais ça, je suis complètement dirigé par mon expertise. Je fais ça un petit peu au feeling, quoi, en quelque sorte. J'ai pas de spécification du scénario et j'ai pas non plus de résultats attendus, hein. Ce qui est vachement important quand on fait des tests, c'est les fameux résultats attendus. Et quand on observe ce qu'on voit sur l'écran, on peut dire si oui ou non le résultat observé est correspond à ce qui est attendu. Et s'il y a une différence, on dit qu'il y a un problème quelque part, il va falloir investiguer un peu plus. Donc là, on est vraiment dans un test un peu particulier, manuel, pas de modèle, pas de spécification, pas de résultat attendu. Mais alors, du coup, comment ça marche? En fait, il y a souvent une charte. Il y a une charte qui va un peu cadrer quand même cette exploration ou ces explorations et qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on regarde dans cette application, pourquoi on navigue. Enfin, il y a quand même un sens, quoi. On n'est pas là à cliquer un peu à droite, à gauche. C'est pas du tout du monkey testing. Le monkey testing, effectivement, c'est un test où on peut considérer qu'il y a un singe qui fait un peu n'importe quoi et qui va cliquer un peu partout. Et puis le seul résultat qu'on peut voir quand on fait du monkey testing, c'est en gros, est-ce qu'on a réussi à faire exploser l'application? Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans un test qui est fait par des experts qui vont naviguer dans l'application au gré de leurs envies, un peu cadré par cette charte. Et donc, on va explorer. Alors, soit il y a pas mal de scénarios un peu méta, soit les lieux communs. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Moi, j'ai l'exemple phare que j'utilise souvent, c'est l'application de Cdiscount. Le lieu commun, c'est quoi? C'est le tunnel de commande là, chez Cdiscount. On va chercher un produit, on va le mettre dans le panier, etc. Ça, c'est le lieu commun quand on est sur le site de Cdiscount. Sinon, on peut aussi faire des tests exploratoires pour explorer ce qu'on appelle les petites rues. Donc, qu'est-ce que c'est que les petites rues? C'est les endroits où on va rarement, mais ils sont là dans le site. Peut-être qu'on va s'amuser à aller tout en bas de la page sur le site de Cdiscount pour voir, je sais pas, si on peut avoir accès aux conditions d'achat ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les petites rues. C'est les endroits où il n'y a pas grand monde qui va. Ou bien on peut explorer les nouveaux quartiers. Donc là, imaginons, il y a des développeurs qui ont développé un nouveau quartier. C'est une nouvelle partie du site et on va aller voir le quartier. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la charte. Et puis, quand on fait un test exploratoire, on va aller dans ces quartiers, j'ai envie de dire, dans ces lieux communs. Et on va commencer à explorer, guidé de notre seule expertise. Et on va, bien sûr, essayer de chercher des bugs. Voilà, donc on a un rôle à jouer. Alors souvent on fait des sessions.
Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un objectif sur la session. On a un ou des testeurs. Alors moi, j'ai vu des sessions à trois testeurs pendant une petite demi-heure, une heure. J'ai vu des sessions un peu plus grandes sur 3, 4 jours. Dans certaines entreprises, on a carrément décidé de bloquer 3, 4 jours. On réunit une dizaine, une quinzaine de testeurs et puis on leur donne plusieurs objectifs. Voilà, de telle heure à telle heure, on va plutôt regarder cette partie de l'application. De telle heure à telle heure, on va plutôt regarder ça. Voilà. Donc il y a une période de temps, début, fin, puis à la fin, on fait un bilan, on essaye de recueillir tous les bugs qui ont été trouvés, toutes les anomalies. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a aussi parfois des, c'est pas vraiment des bugs, mais c'est des petits défauts. Voilà. Donc là, on peut se dire, ah, ça serait bien de corriger ce petit défaut. Donc ça, c'est une notion de session et c'est très important dans les tests exploratoires. Alors, j'ai envie de donner un peu de contenu parce que c'est une session que je fais souvent dernièrement. Voilà. On se met en condition. Et on se dit, ben là, je vais partir, je vais faire un test exploratoire, je vais aller sur le site de Cdiscount. Alors, je suis limite sur le nouveau quartier parce que c'est plus très nouveau, hein. Ils ont fait un petit environnement pour les PS5, la PlayStation 5. Si vous êtes comme moi, un joueur et que vous attendez désespérément la possibilité d'acheter cette PS5, vous avez peut-être exploré le site de Cdiscount dans le cadre de cette charte. Donc voilà, on va se faire une petite session. J'ai envie d'essayer de rendre la présentation interactive. On va se faire une petite session et on va essayer de se dire, bah tiens, je vais essayer d'explorer ce nouveau quartier, voir si jamais je vois les différents modèles des PS5, si je peux précommander, si c'est facile de trouver des jeux, etc. Et puis je vais explorer. Alors, je vous montre un petit peu comment fait un explorateur et après, j'ambitionne carrément d'essayer de faire une session avec vous. Voilà, je ne me suis pas trop gouré, donc hop, je vais sur Cdiscount. Voilà. Donc là, je démarre ma session. Et puis bah, je vais chercher, donc là je ne sais pas si vous connaissez le site de Cdiscount, je ne fais pas de la pub hein, pour eux, je ne travaille pas pour eux, voilà. Je vais chercher pardon, une PS5. En principe, je tombe, alors là avec la vidéo c'est toujours un peu lent, mais en principe je tombe voilà, sur l'univers de PS5, donc là c'est le nouvel univers qu'ils ont fait, etc. Je vais commencer à explorer, me dire tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'ils proposent, comment je fais pour précommander une commande. Voilà, donc là. J'explore. C'est ça que faire une exploration. Et puis il y a des moments, je vais me dire, ah là, je trouve que c'est pas facile, j'arrive pas à voir, j'aimerais bien avoir un petit bouton pour précommande. Ah, elles sont là, les précommandes PS5. Et si je clique dessus, alors, je sais pas si vous avez essayé, c'est pas si simple en fait. Voilà, donc c'est ça une exploration. OK? C'est assez clair? Alors. Maintenant, j'ai fini sur cette partie de c'est quoi un test exploratoire et j'avais envie, si vous sentez, de faire un petit sondage pour savoir si vous avez une connaissance des tests exploratoires, si jamais vous en faites chez vous. Alors, je vous mets l'URL dans le chat. Je vais essayer d'être pas trop mauvais. Tac, ça c'est l'URL. Et puis, hop, le code, il y a un code à remplir. En principe, ça marche. Il est là. Tac. Et en théorie, je devrais, si jamais vous êtes sympa avec moi et que vous êtes un tout petit peu, ouais, cool, au moins une personne, donc c'est presque réussi pour l'interaction. Donc en théorie, je vais juste démarrer un tout petit sondage, il n'y a rien de très secret ici. Voilà, donc là, on voit des gens qui commencent à se connecter. Donc je voudrais juste savoir ce que vous pensez des tests exploratoires, si vous en avez déjà utilisé. En théorie, vous pouvez rejoindre. Tac, merci. Sympa de rejoindre. C'est pas facile de rendre le truc interactif. Voilà, je me lance là-dessus. On m'a dit que ça marchait pas trop mal cet outil. J'essaye, hein. Ok, en principe, j'ai ma première question. Tac, est-ce que je peux le faire ça? Voilà. Donc, c'est pour savoir un petit peu vous, les tests exploratoires. Je vous ai présenté ce que c'était. J'ai essayé de vous mettre en situation. Si vous connaissez, si vous en faites. Ah là, ça marche nickel. Merci beaucoup. Ah, ça c'est super, vous en faites pas beaucoup de ce que je vois, mais vous avez envie d'en faire. Ça c'est pas mal, quoi. On va rester un petit peu de temps là-dessus. Vous pouvez interagir via le chat aussi pour décrire un petit peu plus. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui en font. Et puis vous connaissez un peu, quoi. D'accord, ça c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans, en fait, hein, peut-être un peu moins, ouais, 3 ans, je pense, quoi. On a organisé des sessions avec, déjà dans la boîte, hein, dans Promise, mais avec d'autres collaborateurs. Ça marche vraiment bien, hein, pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est vraiment un truc sympa. Ouais, j'ai pas mis ça aussi sur le slide, mais qu'est-ce qu'on gagne à faire des tests exploratoires? Bah ouais, bien sûr qu'on va trouver des bugs, mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner en connaissance sur notre application. Parce que parfois, on voit qu'une seule partie de l'application. On voit la partie dont on est responsable ou sur laquelle on interagit. Si vous êtes un Scrum Master, vous voyez la partie
sur lequel vous bossez, ou un développeur, les choses que vous connaissez peut-être un peu trop techniques. Et quand on fait une session, c'est agréable de faire ça avec, enfin, pas tout le temps les mêmes personnes, faire avec des personnes que vous connaissez pas, mais qui eux utilisent l'application, puis ils vous montrent, ah ouais, mais là tu peux faire ci, là tu peux faire ça. Donc ça, c'est assez sympa. Un lien avec le guérilla testing, faire tester par un testeur lambda. On en parlera. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, il y a un petit lien. Il y a un petit lien, sauf que là, l'idée du test exploratoire, c'est vraiment de mettre ça dans la main d'experts. Le guérilla testing, j'imagine qu'ils vont vous trouver les. C'est comme le bounty, quoi. Ils vont vous trouver les gros bugs, quoi. Mais si c'est des applications qui sont vraiment très spécialistes, hein, pour les spécialistes, là, il faut quand même avoir des experts. Ok, je vous remercie d'avoir joué le jeu. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu sur cette notion des tests exploratoires. Donc voilà, donc là, tac, je pars du principe que maintenant, on a à peu près une connaissance de ce que c'est qu'un test exploratoire, on voit à peu près ce que c'est. Ah, j'ai raté mon truc. Ouais, non. Et vous avez vu là, tac, tac, voilà, je vous ai montré ce que c'est qu'un test exploratoire sur la PS5. Imaginons, on est 3-4 à faire ce test exploratoire, on va avoir des problèmes pour organiser notre session. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Frédéric, hein, qui DiCaprio, Asanti DiCaprio, je n'arrive jamais à retenir son nom, qui bosse chez Amazon, chez Amadeus, pardon, je vais y arriver, et qui est venu vers moi et qui m'a dit, bah, tu vois, nous, on fait pas mal de tests exploratoires, mais on a du mal à organiser nos sessions. Du coup, c'est très cadré, un peu papier, on écrit les chartes, mais après, on ne sait pas trop, quand on fait des sessions à plusieurs, on ne sait pas trop ce que font les autres testeurs, on a du mal à se guider, à définir, voilà, c'est ça la charte. C'est pas autre chose. Et puis à la fin, on a du mal à savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Alors on remplit des espèces de comptes rendus, on a du mal à collaborer, etc. Application mature, Françoise Barbeau, il faudra que tu nous expliques un petit peu plus ce que tu veux dire. Mais enfin, après, t'inquiète pas, il y aura du temps pour les questions. Donc voilà, donc ça c'est Frédéric qui est venu me voir il y a 2-3 ans, qui m'a dit ouais, t'aurais pas une solution. Et moi j'étais en train de travailler sur des algos d'IA sur le monkey testing, et en fait je me suis dit mais c'est marrant parce qu'ils sont pas très malins, hein, ces algos, même s'il y a de l'IA, ils sont pas très malins, ces algos sur le monkey testing. Et je me suis dit, ça se trouve, on peut jouer avec le testeur qui lui a de l'expertise, il sait exactement ce qu'il veut, et une IA un peu bébête, mais qui l'aide quand même. Donc voilà, je vais essayer de vous tuyauter ça. Et là, je propose deuxième expérience, attention, deuxième expérience en live. Pardon. Donc là, c'est directement d'aller sur l'outil qu'on a fait, la plateforme qu'on a fait. Tout est gratuit, tout est open source. Bientôt, c'est bientôt open source. Tac, tac, tac. J'en ai des choses ouvertes. Je vais vous montrer comment rejoindre ça. Il y a une clé que je vais essayer de mettre dans le chat, mais je galère bien sûr avec ma souris. Ça aurait été trop beau. Hop, je vous donne le code. C'est un petit peu du live. Donc ça, c'est une clé de session qu'il faudra utiliser. Je vous dis comment installer l'outil. Je fais ça en live, hein. Je suis à un risque de fou, quoi. Ensuite, vous allez, hop, je vous montre ça. Vous allez sur un site qui s'appelle fx.fr. Je vous colle l'URL. Tac. On va y arriver. Moi, j'ai toujours un petit peu long avec. Voilà. Hop, ça, c'est notre plateforme. Tout est gratuit. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de mot de passe. Ça passe ça, ou pas? Bon, je galère un petit peu avec mon ordinateur qui commence à souffrir. Tac, voilà, je vous mets l'URL. Voilà. Et il faut, si je vais dans Download, je vais vous donner le lien directement. Et si je vais dans Chrome Store, il faut avoir Chrome. Ça, c'est vrai. Copier l'adresse du lien. Voilà. Si je vous donne ça, ça va installer un petit plugin. Tac. Vous installez le petit plugin et en théorie, vous avez ici, tac, 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 ici, là, une petite extension. C'est notre fameux plugin FX qui va vous permettre de vous connecter à notre session. Alors, ça vous demande un code. Dès que vous avez installé ça, ça vous donne un code. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez réussi, si vous avez envie, si j'arrive à avoir, allez, je tente 5 personnes, je dis que c'est gagné. Vous collez le code que je vous ai donné dans le chat, vous rejoignez et en principe, vous arrivez sur une fenêtre où vous allez avoir la page de Cdiscount. Alors, hop, en principe, vous avez voilà, la page de Cdiscount qui est là. J'ai merdé. J'espère que je ne vais pas me ramasser. En principe, c'est là. Tac. J'ai trop de fenêtres. Voilà, c'est là. En principe, vous avez une fenêtre comme ça. Et vous pouvez faire play ou redémarrer pour faire une exploration comme je viens de le faire, mais ce coup-ci guidée par notre outil. Là, je rentre dans la deuxième partie de mon talk et je vous explique à quoi sert cet outil, si ça marche.
Parce que là, ça rame quand même. Je n'avais pas prévu ça. C'est génial. Il y a toujours un petit effet démo. Mais en théorie, de votre côté, c'est good. Voilà, c'est mieux pour vous, j'espère. Parce que moi, ça rame péniblement. C'est l'effet avec la caméra. Mais vous devriez avoir des champs qui sont entourés par des couleurs. Ça y est. Génial. C'est très long. C'est toujours très long quand il y a la vidéo. Voilà. Donc là, on a une IA qui va rajouter un overlay et qui va vous lister, en fait, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, qui vous donne les zones. Qui sont un peu cadrés par la charte. Alors, je vous expliquerai ça dans le détail, bien sûr, après. Mais en gros, notre plateforme permet d'identifier les zones de l'application qui sont cadrées par la charte de notre session, de notre test exploratoire. Et en plus, alors là, c'est cerise sur le gâteau, en plus, on a une IA qui tourne derrière. Et cette IA va vous donner des informations à l'aide d'un code couleur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette IA? Cette IA, elle va analyser tous les tests précédents. Donc, avant de démarrer, j'en ai fait 3-4 des tests. Et elle va vous dire, ben, moi, si j'étais toi, elle vous donne une couleur rouge chaud. Moi, si j'étais toi, je cliquerais là parce que les autres, les anciens testeurs, ont cliqué là. Donc là, j'espère être relativement clair. Mais en gros, l'IA vous demande de faire la même chose que les autres testeurs. L'IA, elle est un peu bête. Mais pas si bête que ça. Elle vous met en rouge les zones qui ont déjà été sélectionnées par les autres testeurs et en bleu les zones qui ont jamais été testées par les autres testeurs. D'accord? Donc si vous avez compris un petit peu l'esprit qu'on a chez nous, c'est qu'on vous propose de combattre l'IA. Donc ce qu'on vous propose, c'est de pas trop suivre l'IA. Alors il y a des moments où on n'a pas le choix, mais on vous propose de pas trop suivre l'IA. Et si vous ne suivez pas l'IA, c'est-à-dire si vous cliquez plutôt sur les zones bleues, les zones froides, alors après ça va peut-être devenir vert, après ça va peut-être devenir orange. En tout cas, on vous demande de pas trop cliquer sur les zones rouges. Et en faisant ça, ben, vous allez explorer des choses qui ont été peu explorer. Alors, je vais vous faire une démonstration en espérant que ça marche pas trop. Ben, bravo, là, je monte carrément tout mon truc. Où est mon navigateur? Il est là, voilà, hop là. Et non, c'est pas le bon, il y a trop de navigateurs, je me perds. Tac, tic, tac, il est là, voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais si je vois qu'il y en a trois, oh, j'avais dit cinq, plus que deux, s'il y en a d'autres qui ont réussi à se rejoindre, je serais super ravi. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez eh bien, explorer à la recherche d'une PS5. Donc, ouais, moi, je vais cliquer ici, et vous allez voir que les couleurs changent. C'est normal, parce qu'en fait, ce que fait FX, c'est qu'il vous suit pendant vos interactions. C'est-à-dire qu'il a compris que vous êtes en train de faire une exploration, et il vous dit, bah, les autres testeurs, après avoir, moi je viens de cliquer sur la barre de recherche, après avoir cliqué la barre de recherche, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, eh bien la pop-up nous dit, ben, il y en a qui ont directement cherché la PS5, donc ils ont tapé PS5, et d'autres qui ont cliqué ici. Vous voyez un petit peu? Donc là, je vais essayer bah, de chercher PS5 précommande. Voilà, je vais faire une nouvelle recherche. Hop, je vais cliquer ici, et là en fait, eh ben, FX, donc c'est le nom de forme, FX va me suivre. Et va me proposer les différents éléments à cliquer qui font partie de la charte en me donnant des probabilités, donc en me donnant des indications sur la fréquence. Voilà, donc là c'est tout est bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun testeur qui est allé par là. Il n'y a aucun testeur qui a testé enfin, qui a utilisé ce genre de contrôle. Donc là, bah, je ne sais pas, je vais cliquer sur la fenêtre, etc., etc. Alors une fois que j'ai fini mon exploration, vous avez les couleurs, vous. Alors, si ouais, j'ai réussi, super. Donc, il y en a qui l'ont. Sinon, est-ce que vous êtes bien? Il faut lancer le record. Oui, il faut faire play. Effectivement, il faut faire play. Merci à Benjamin. Ici, moi, j'ai fait play. Je n'ai pas allé, 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 très, très, j'ai pas été très pédagogue. Excusez-moi. Mais effectivement, il faut faire play. Et puis, vous êtes suivi. Quand vous avez fait play, vous êtes suivi. Désolé. Enfin, en même temps, je tente un challenge là. Voilà. Et puis, vous voyez, en gros, vous voyez toutes les actions que vous venez de faire. Et une fois que vous avez fini, vous faites stop. Vous pouvez même de temps en temps rajouter des commentaires. Une fois que vous avez fini, vous faites stop. Et en fait, vous allez reverser votre exploration dans la base FX. Donc là, en gros, FX, maintenant, elle connaît le nouveau test que vous venez de faire. Et donc, du coup, l'IA va être de plus en plus intelligente. Alors, je vous montre l'envers du décor. Tac, ici. Ça, c'est notre session. C'est la session qu'on vient de faire. Vous voyez qu'il y a quelques explorations qui ont été faites. Il y en a 8. Ouais, donc là, il y a des testeurs qui ont rejoint. Génial. Merci à eux. Et là, on voit les différentes explorations qui ont été faites. Moi, j'ai même mis ici un commentaire. Je pourrais vous montrer ça une autre fois aussi. On prend du temps. On peut même mettre des screenshots. On peut enregistrer le flux vidéo qu'on a fait, etc., etc. Et là, on peut comparer. Voilà, on voit ce que les autres ont fait. Génial. Ça a bien marché. On peut comparer ce que les autres ont fait. OK. Je reviens sur ma présentation.
Et puis, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Je crois qu'il me reste environ 10 minutes. Donc, vous avez compris un peu le principe. L'idée, c'est on va avoir envie de faire une session de test exploratoire. Je vais y arriver. Tac, voilà, super. On va avoir envie de faire une session de test exploratoire et on a envie d'être un petit peu guidé. Alors là, l'IA, elle n'est pas très, très maligne. Plus vous mettez d'exploration, plus elle est maligne. Mais en plus, ce qu'elle sait bien faire, l'IA, elle sait bien reproduire. Une IA, si vous avez suivi comme moi l'IA, une IA, c'est très fort pour trouver des choses quand elle a masse de données et pour refaire, pour reproduire, pour refaire ce qui a déjà été fait. Là, l'idée, au contraire, ce n'est pas de suivre l'IA, c'est combattre l'IA. C'est pour ça que j'ai mis un petit ninja. Donc, vous allez non pas suivre les préconisations de l'IA, sinon ça serait trop facile, mais vous allez essayer de déjouer les préconisations de l'IA. Et du coup, l'objectif ici, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la diversité, donc les explorations que vous allez faire sur l'application. Ouais, cool. Mais je voulais me laisser un bon quart d'heure sur les questions, Julien. Ok, alors moi je suis universitaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré avec des outils quantitatifs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une énorme session. Donc il y avait un truc comme 30 à 40 utilisateurs. Donc là c'est marrant parce que ça rejoint la question au début. On est allé voir une société qui fait du crowd. Ouais, crowd, je ne sais pas si vous savez, la foule. Donc on est allé voir une société française qui fait du crowd et on lui a demandé si c'était possible d'avoir une petite foule. Donc une foule de tant de personnes hein, en temps Covid. Il ne faut pas avoir des trop grandes foules. Voilà, donc une petite foule. Bon, chacun était chez soi. Et on a demandé à chaque personne de cette foule, comme vous, là, de réaliser des explorations. Par contre, et ils étaient d'accord, on a mesuré un petit peu la diversité. Alors, comment ça marche, la diversité? En fait, vous pouvez considérer que votre exploration, c'est un petit peu comme, je dirais, une partition de musique avec différentes notes. Lui, il a mis un do, ensuite, il a mis un ré. Vous avez fait l'inverse, vous avez mis un ré, puis ensuite, vous avez mis un do. Et puis, les notes, en fait, c'est les différents clics que vous pouvez faire sur le site. Alors, en musique, on n'a pas beaucoup de notes. Sur Cdiscount, il y a beaucoup, beaucoup de notes parce qu'il y a beaucoup de clics différents. Je fais une recherche, je clique sur l'image, je clique sur supprimer du panier, je clique sur ajouter du panier, etc. Mais en fait, tout ça, d'un point de vue purement mathématicien, on peut considérer que c'est une espèce de partition avec des notes. Et le but, en fait, c'est de trouver des nouvelles partitions. De trouver des nouvelles successions de notes. Plus vous trouvez des nouvelles partitions, plus vous avez des chances de trouver des bugs. Voilà, c'est ça qui est important, quoi. Et alors, il y a une méthode scientifique qui vous permet de trouver la probabilité de résistance de certaines partitions. En gros, est-ce que vous arrivez à trouver toutes les partitions? Donc, c'est de la survival analysis. Donc, ça, c'est vraiment génial au niveau scientifique. Si jamais vous êtes intéressé par ça, je pourrais vous montrer. Mais en gros, c'est vous essayez de savoir si votre approche, elle est bonne pour aller détecter des partitions et donc de les tuer en quelque sorte. Donc c'est un petit peu guerrier comme métaphore, mais peu importe. Donc en gros, vous imaginez que vous avez des partitions qui sont cachées sur le site, donc des successions de notes qui sont cachées sur le site. Et ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que votre outil vous aide à trouver les partitions cachées? J'aurais pu le faire avec les autres packs ou d'autres métaphores, mais j'aime bien cette notion de petite partition de musique un peu secrète. Et en fait, il y en a peut-être certaines qui contiennent des bugs. Donc c'est important de trouver toutes les partitions différentes, quoi. Et donc, vous avez un outil numérique quantitatif, donc statistique, etc., toute la panoplie des méthodes scientifiques qui vous permet de trouver la probabilité d'aller trouver des partitions pas faciles à trouver. Et ce que vous voyez sur ce slide-là, c'est en rouge, c'est assisté, c'est avec notre outil. En bleu, c'est sans notre outil. Eh bien, on se rend compte qu'alors il faut quand même pas mal d'explorations. Au début, franchement, si vous restez sur 5 explorations, c'est pas ouf. Il y a du bleu, il y a du rouge, on ne comprend pas trop. Mais si vous vous insistez un petit peu, et puis bon, insister, c'est quoi? C'est 10-15 minutes, hein, faut pas non plus des heures. Si vous, ça, c'est le nombre d'explorations en bas. Si vous insistez un petit peu, on va commencer à se rendre compte que ça commence à être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas les couleurs, on tourne en rond. Surtout s'il y a de nouveaux testeurs qui se joignent à la session. Et puis même si nous, on a un peu oublié ce qu'on a fait. Il y a un moment donné, on ne sait plus et on tourne en rond. Alors, je suis allé voir un collègue qui bosse, lui, sur le côté vraiment aléatoire, donc qui est vraiment intéressant, et il m'a sorti une phrase que j'ignorais. Il m'a dit « L'être humain est une très mauvaise machine aléatoire ». Donc, si on nous demande, nous, de sortir des nombres aléatoires de 1 à 6, on ne serait pas bon. Si on demande de faire vraiment un truc vraiment aléatoire, on n'y arriverait pas. L'humain n'est pas bon pour faire de l'aléatoire. Et donc, ce qui est montré par la courbe bleue, c'est qu'au bout d'un moment, dans votre session, vous allez tourner en rond. Et le plus grave, c'est que vous n'allez jamais dépasser, ça c'est 50%.
C'est-à-dire qu'en gros, bah, il y a des espèces de partitions, bah, vous n'allez jamais les trouver. Ça, c'était super intéressant. Alors qu'avec notre outil, tchitin, à un moment donné, on creuse l'écart. Pourquoi? Parce que, oh, flûte. Pourquoi? Parce que justement, notre outil, il est là pour ça. Il est là pour vous dire, hé, là, t'es jamais allé. Et vraiment, on voit qu'il y a une nette différence au bout d'un moment, là, quand on commence à faire les 30, 50, 60 explorations. Bam! Pourquoi? Parce que là, sur le site de Cdiscount, quand on arrive à ce nombre d'explorations, on se rend compte qu'on est vraiment, bon, ok, on a fait le truc, un peu les lieux communs, tout le monde a fait ça, mais on n'est pas allé voir les petits trucs. Alors, je vous donne un exemple de choses qu'on n'avait pas fait, nous, et c'est grâce à l'outil, on l'a fait. Je vais vous montrer ça sur le site de Cdiscount, si jamais j'arrive à le retrouver. Voilà, si j'arrive à le trouver. Nous, ce qu'on faisait tous, quand on faisait des sessions entre nous, quand on faisait une recherche, on écrit la recherche sur le clavier, tac, 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 et on appuie sur Entrée. Bam! J'appuie sur Entrée. En fait, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'il est possible d'appuyer sur la loupe ici. Donc, écrire sur le clavier et appuyer sur la loupe. Eh bien, nous, on n'avait jamais fait ça. Jamais, jamais. Aucun de nous. Hein. Tous ceux qui faisaient des recherches, alors on essayait de faire des recherches différentes, mais tous ceux qui faisaient des recherches, ils appuyaient sur les claviers, puis ensuite, ils appuyaient sur Entrée. Par contre, on n'avait jamais appuyé sur la loupe. Donc là, c'est une petite partition. J'ai saisi du texte. Et note d'après, j'appuie sur la loupe. C'est une petite partition, eh bien, qu'on n'avait jamais trouvée lorsqu'on n'était pas aidé par FX. Là, quand on a été aidé par FX, ben, de suite, on a vu, hey, la loupe, là, elle est bleue. Tiens, c'est curieux. Ah ben ouais, j'ai jamais cliqué dessus. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous montre que ça a une plus-value, cet outil. Et puis surtout, ce n'est pas un outil qui est là pour nous dire fais ci, fais ça. Au contraire, il est là pour nous dire hey, je pense que tu devrais faire ça. Et vous êtes en train de dire non, non, non. T'as tort. Donc, grâce à ça, vous gardez votre expertise. Ça, c'est super intéressant aussi parce que parfois, vous allez vraiment cliquer sur le rouge parce que vous voulez tester ce truc encore et encore et encore. Donc, il ne faut pas oublier que c'est vous le maître hein, dans l'affaire. Voilà. Et maintenant, alors, pourquoi une Fuego? Parce que j'avais envie de mettre une Fuego, une Renault Fuego. J'ai toujours trouvé cette voiture un peu particulière. Je trouve que ça manque un petit peu dans le paysage des voitures comme ça. Enfin, bref. Pourquoi? Pourquoi faire des tests exploratoires? Clairement, c'est complémentaire aux tests automatiques. Si vous avez des tests automatisés, eh bien, faites des tests exploratoires. Le truc qui est top, là on l'a vu, on travaille avec des sociétés qui ont des tests automatisés, c'est que si vous faites les deux, vous avez un cercle vertueux qui est impressionnant. Vous faites des tests exploratoires, notamment avec notre approche, vous arrivez à voir quels sont les tests exploratoires qui sont vraiment, vraiment intéressants, qui ont découvert des bugs, bing, vous les reversez dans les tests auto. Vous faites des tests auto. Tac, vous exécutez automatiquement votre outil avec vos tests auto et vous pouvez voir avec les couleurs, vous avez une IA qui sait où sont passés vos tests auto. Donc, si jamais vous faites une session de test exploratoire après avoir rempli notre IA de tests auto, vous savez où ils sont passés et donc vous allez chercher à côté, mais pas exactement les mêmes. Quand faire des tests exploratoires? Alors là, c'est là, grâce à l'agilité, on en fait vraiment quand on veut, à vous de vous organiser. Vous pouvez faire des sessions ponctuelles, vous, de temps en temps, en binôme, en trinôme. Vous pouvez au contraire organiser cela juste avant une release. Ça, c'est pas mal. Juste avant une release, on appelle parfois cela du smoke testing. Alors, smoke testing, il y a plusieurs sémantiques. Faites un petit smoke testing, vous mettez à plusieurs juste avant la release, juste avant les tests de validation. Parce que les tests de validation, bien souvent, ils sont scriptés. Et puis la personne est là, ah tiens, j'ai cliqué à côté, ça ne marche pas. À qui c'est pas arrivé ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Hein. Donc on avait tout scripté, on avait tout fait. Et juste la personne a cliqué le truc d'à côté. Et ça ne marchait pas bien. Bah ouais. Alors une petite session de test exploratoire, ça peut aider. Comment? Ben, il faut définir cette fameuse charte, il faut préciser l'objectif. Et là, bien sûr, je fais un petit peu de pub, puisque ça nous plaît. Et ben, on a une plateforme qui est faite pour ça, qui est facile d'utilisation, tout est ouvert, vous pouvez tout tester, il n'y a pas besoin de mettre son email. Et puis, ben, en principe, ça devait être aujourd'hui. Mais comment dire, les juristes prennent un tout petit peu de temps. Mais en tout cas, ils ont été d'accord. C'est bientôt open source. Une fuego, que de souvenirs, n'est-ce pas, Denis? Hein? Voilà. Si vous avez des questions, je crois que j'ai terminé. Je voulais terminer à 30. Je crois que j'ai une montre quelque part dans le ventre, un truc comme ça. Et je finis avec ça. Est-ce que ça marche si je fais ça? Si vous avez encore le code, vous pouvez me poser vos questions dans les QA, dans le chat, et même me laisser vos avis là. Alors là, j'ai trois écrans, je suis chaud. Là, je peux répondre à vos questions. Xavier, quelle maîtrise du temps et quel discours passionnant. Donc, il y a des questions dans le chat. Si tu veux, je te les relais ou Moi, je les lis, je peux même les lire, je suis chaud. Et Florent peut la poser. Comme vous voulez. Est-ce que Florent, tu es OK de monter sur scène? Florent, il a disparu. Bon. Ah, sinon, enfin, on la lit tous. Hein. Allez, Comment fonctionne la allez. base de données FX? Le produit est-il gratuit? Toute la gestion se fait en ligne. Ouais, alors bon, on aurait vraiment aimé que ce soit open source. Il y a eu beaucoup, beaucoup de devs là-dessus. Effectivement, il y a un serveur.
Il y a un serveur qui reçoit les explorations. Les explorations, vous les voyez quand vous les éditez. Il y a une phase de configuration du site, on vous explique tout. Et puis, si vous voulez essayer, comment ça s'appelle, un Slack. On a un Slack, on vous aide. En fait, votre première application vous aide à la configurer si jamais vous voulez gagner du temps. Donc oui, il y a un serveur. Le serveur, si vous voulez le déployer chez vous, vous pouvez le déployer chez vous. C'est du TypeScript, Node, MongoDB avec tout ce qui va bien, ces microservices. Donc voilà. Donc oui, ça se fait. En gros, on a un serveur. Comme ça, on est plein à faire les explorations. Ça va vers le serveur. Le serveur, il calcule les prédictions. Ça revient. Oh, toute une archi microservice classique, quoi. Le serveur est gratuit. On a deux serveurs, un serveur de test, c'est researchexperimentation.fr, où là on fait nos bêtises, et fx.fr, donc c'est CIS Valley qui est notre sponsor là-dessus, qui nous héberge. Et donc pour l'instant, il est relativement solide et ça tient, quoi. Est-ce que ça répond à la question, Florent? Ok, elle a été supprimée. J'imagine que oui. Alors, je relaie une question qui était dans le chat. Là, on teste des applis web via un plugin. Donc, on teste des applis web, mais quid des tests opératoires sur des choses un peu plus, on va dire, lourdes, clients lourds? Ouais, alors au niveau du. Là, on est en train de prototyper l'approche, pré-prototyper l'approche. J'ai vu ça, c'est un terme que Google a inventé, je crois. Pré-prototyper, ça veut dire on teste une idée. Bon, là, je pense que l'idée, elle plaît, elle est pas mal. Effectivement, on a une extension Chrome, on a une extension Firefox. Tout le monde nous dit alors sur téléphone, alors sur desktop. Donc, en fait, il y a des moyens techniques de faire ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre. En fait, ce qui est compliqué, c'est il faut écouter les events, les machins. Il faut comprendre ce que la personne a fait et il faut traduire ça dans un vocabulaire qui soit intelligible par l'IA, par le serveur derrière. Donc, c'est technique, ça demande du boulot. Je sais que c'est faisable. Maintenant, c'est pas encore dans la roadmap parce que voilà quoi. Donc, y a des outils hein, qui ont montré que techniquement c'était faisable d'installer des clients lourds, quel que soit l'environnement Windows, Mac ou Linux quoi. Donc c'est faisable, mais on n'est pas dessus. Voilà, IE6 pareil. Ouais, il faut construire le plugin qui va permettre d'écouter ce que fait l'utilisateur. Donc au niveau du concept, oui. Au niveau de la disponibilité, non. Oui, la question suivante, c'est oui, elle sera dispo en replay. L'enregistrement est en cours, donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, on a encore 10 minutes. Je peux même vous présenter comment marche l'IA, hein, si jamais vous voulez derrière. Bah, j'avais une question. En fait, tes parcours ils constituent une base de faits. Ouais. Et derrière, est-ce que tu as intégré des modèles pour générer de nouveaux faits à partir de ces faits? Alors, on a essayé de générer. Ça marche, donc on peut. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vas générer. Donc, c'est une technique. En fait, c'est comme quand vous tapez vos mails sur Gmail, hein, il arrive à compléter. Donc on peut faire de la génération, ça marche. Par contre, la question se pose sur la plus-value. C'est-à-dire que rapidement, en fait, tu vas générer des partitions de musique que tu as plus ou moins déjà vues, en fait, en quelque sorte. Donc tu ne vas pas aller chercher les trucs que tu n'as jamais vus. Donc si on revient sur le slide que j'ai montré avec la survival analysis, là, est-ce que j'arrive à trouver des parcours et à les tuer, quoi. La génération, en fait, on ne va pas être bon là-dessus. On ne va pas générer des parcours complètement inconnus. On va générer que des parcours très proches de ceux qui ont été réalisés. Un peu différents, mais très peu différents. Vous avez ça en IA, hein, je crois que c'est Google qui a montré ça, où vous pouvez mettre 3-4 notes, il arrive à vous faire du Beethoven ou ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il est capable de synthétiser, d'apprendre tous les morceaux de Beethoven, et vous lui mettez 3-4 notes, et il est capable de vous recracher un morceau comme si c'était Beethoven, avec les 3-4 notes que vous avez mis. Là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il serait capable de vous refaire, si vous avez plein d'explorations, il serait capable de vous faire une exploration qui est très proche de celle que vous avez faite. Mais du coup, en termes d'aller chercher les chemins un peu non testés, ça n'a pas une grande efficacité.
Y a-t-il des reports? Ouais, on a un dashboard, bien sûr, on a un dashboard, on a des. Alors, je n'ai pas montré ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, il y a un dashboard. On voit tout, tout, tout. Alors, je peux faire un refresh, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont continué. Donc, on voit toutes les explorations qui ont été faites. Tac, voilà, ça c'est toutes les explorations qui ont été faites. Et puis bah après on peut filtrer. Ah ouais, il y en a qui ont joué, c'est cool, merci. Merci d'avoir joué le jeu, super sympa. Donc on peut voir des commentaires. Je n'ai pas tout montré, il y a plein de choses dans la plateforme. On peut voir les commentaires en ligne, c'est-à-dire pendant que je fais un test, je vois les commentaires, je peux les valider, ne pas les valider. Je peux enregistrer des flux vidéo. Ensuite, je peux même faire deux, trois fois. Donc là, il y a des petits bugs encore sur le temps. Mais je peux faire des analyses de temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Alors, il y a d'autres questions. Sur quoi la base de détection des éléments? Oui, alors on a tout. Sur quoi les détections? Alors là, on a tout un. Je vous montre ça aussi. Tac, 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 tac. Tout est accessible. Mais alors là, on a beaucoup bossé. Hop. Donc là, il y a une configuration qui doit être faite. On a une documentation, hein, qui explique comment ça marche chez nous. Et en fait, on supporte tout. Alors, il y a même un éditeur qui est disponible en ligne et qui vous propose de la complétion. Donc, on propose du XPath, du CSS. Voilà, on supporte pas mal de choses pour effectivement détecter ces fameux éléments, quoi. Tu peux mettre des IDs, tu peux mettre du XPath, tu peux mettre du CSS. J'ai précisé que le meilleur moment pour exécuter la phase de release. Alors, j'ai pas dit le meilleur moment. J'ai pas dit le meilleur. J'ai dit qu'il y avait plein de moments et j'ai toujours trouvé que c'était efficace. Moi, ce que je vois, c'est que à la fin d'un sprint, c'est pas mal. Enfin, quand vous arrivez vers la fin d'un sprint, moi, je suis très Scrum. Quand vous arrivez vers la fin d'un sprint, vous pouvez vous dire, allez, on se fait une petite session d'explo là. Mais pas à la fin, quoi. Pas juste avant, quoi. Donc là, c'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu, de voir toutes les features qui ont été faites, toutes les user stories, quoi. Et puis de les tester avec un petit peu les autres, d'aller un peu plus large que simplement le scénario, quoi. Là, je trouve ça pas mal. J'ai pas dit que c'était la meilleure. Ouais, alors, ouais, sur déploiement, ouais, quand je, ouais, voilà. Ouais. Je suis pas là-dessus, donc. Quand les jouer, c'est pas simple, quoi. Voilà, faut s'organiser. Je suis pas sûr qu'il y ait une meilleure organisation. Je pense qu'il faut le faire 2 3 jours avant la livraison, quoi, pour que ce soit efficace. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Il y a le meilleur temps. J'ai répondu sur la QA. Je vous ai répondu les deux. Ouais. J'ai répondu aux deux. Ouais. Question technique de Florent. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, Florent, mais tu as entièrement raison parce que j'ai pas le temps de tout expliquer. Mais alors, il serait peut-être qu'on fasse une session un peu plus profonde. Tu vois, quand je fais mon test, je suis là, je suis sur le test, ouais, quand je fais ça, bam. Tu vois, en fait, il y a des champs qui ont été identifiés et d'autres pas. Alors, on a moyen de dire tous les champs, si c'est possible, de dire tous les champs. Mais si tu dis tous les champs, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de notes de musique. Tu vois, j'aime bien cette métaphore avec la note de musique. Si tu dis tous les champs, tout, tout, ça fait beaucoup. Et en fait, on a vu avec les utilisateurs d'FX qu'ils préféraient borner un peu, délimiter les éléments avec lesquels il fallait interagir pour rester dans la charte. Tu peux interagir sur le reste. Hein, on est sur le site de Cdiscount. Tu peux interagir sur le reste. Mais voilà, là, on te dit, ouais, ces champs-là, pour notre test, ils sont un peu plus intéressants. Sachant qu'on ce qu'on peut faire aussi, c'est si tu cliques à côté, on peut le savoir, on peut te noter, voilà, il a cliqué à côté, si tu veux savoir ce qu'il a fait. Donc du coup, il faut définir ces champs-là. Voilà, il faut définir ces champs-là et il faut expliquer un petit peu comment l'IA reconnaît ces champs-là. Et ça se fait avec cette notion de mapping list. Et ça se fait en identifiant soit le CSS selector, soit le XPath selector de ces champs-là. Donc là, en gros, tu vois ce bouton-là, il est délimité là. Ce bouton aussi, là, tac. Eh bien, là, il faut faire une petite configuration en amont. Alors, on l'a identifié à une demi-journée pour un site comme Cdiscount sur une campagne de test du tunnel de commande, quoi. Donc, il faut identifier les éléments et ça passe par ce qu'on appelle la mapping list ou les mapping rules. Voilà, Florent. Ah, un truc que j'ai pas dit. Aussi, je m'auto-pose la question. Ce qu'on a fait, c'est que on a masqué les couleurs. On a masqué les couleurs, on a filé ça, on a réuni encore au niveau crowd là. On a réuni des utilisateurs sans leur montrer les couleurs.
Et du coup, derrière, nous, on a branché FX et ça nous a permis de savoir ce qu'ils faisaient. Donc, on avait leur comportement utilisateur sous forme d'action, comme je vous l'ai montré avec le dashboard. Et du coup, on a pu mesurer l'écart de distance qu'il y avait entre leur comportement utilisateur et la campagne de test. Donc, ce qui vous permet de savoir si vous êtes en train de tester ce que font les utilisateurs ou si vous êtes en train de tester quelque chose qui n'est jamais fait, en fait. Donc, ça permet aussi de mesurer une proximité de vos tests par rapport au comportement utilisateur. Donc, ça, c'est un autre des avantages de la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il reste 3 minutes, on a le temps, je pense, pour une dernière question. Ils aussi sont leur appart. Et, non, Non? non, non. Ouais, ça fait un petit peu plus de temps. Ah si. Une question, retour de Ah, roue. ouais, non, j'ai pas le droit de dire. NDA. Ouais, je travaille avec pas mal de sociétés en fait, quoi, qui sont intéressés par cette approche, mais on n'a pas le droit de dire du tout ce qu'on fait avec eux. Donc là, tout ce que j'ai présenté, c'est des trucs que je fais pas avec eux en fait. Que je fais sur leur site, parce que c'est cool, c'est un bon sujet de recherche, mais je fais pas ça avec eux là. Alors, moi j'ai une question. Là, avec cet outil, tu vas explorer des différents parcours. Et est-ce que tu peux t'en servir pour des tests de sécurité aussi? Pourquoi pas? C'est moi mon domaine. C'est moi mon domaine. Je sais pas du tout comment marchent les tests de sécurité. Donc voilà. Les pen tests, tout Ouais, ça. je sais pas. Peut-être. Mais je sais pas du tout. J'ose pas répondre oui ni répondre non parce que je connais pas bien les tests de sécurité. Du coup, voilà, j'ai peur de dire une bêtise. Okay, donc on est plutôt orienté test produit qualité. Ouais, fonctionnel quand même, hein. Ouais. D'accord. Ouais. Je Ah, pense que ou ça. test d'IHM aussi, tu vois, ce que tu peux voir, c'est si jamais il n'y a pas des boutons qui sont masqués ou ce genre de choses. Tu peux faire ça aussi, quoi. Test du X, du Y, ça peut être ça aussi. Ou fonctionnel. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci Xavier pour cette séance. Vraiment, cette session Eh bien. interactive à distance. Ouais, ça se tente, ça se tente, ça se tente, ça se tente. Oui, je ne trouve pas où se situe la doc de paramétrage. Wow, comment ça? Elle n'est pas nickel notre IHM. Ouais, faut qu'on fasse des efforts. Alors, d'ailleurs, question, est-ce que vous avez testé votre produit avec votre Ouais, produit? on le fait. Alors, ouais, je vous dis aussi, vous pouvez créer un compte ouais, quand vous allez là, au début, vous connectez, quoi. Donc, le compte Anonymous, il est ouvert pour tous, mais si jamais vous mettez votre nom, votre prénom, ça construit automatiquement un compte et ça vous ajoute comme utilisateur. Ok, je vais me loger sur Anonymous, je te montre où est la doc. En fait, la doc, on s'est dit, on va la mettre quand on en a besoin. Donc, en fait, en gros, hop, toi, tais-toi, toc, quand je fais create a website, donc si je crée un website. Il va me pointer là, bam, le gros point d'interrogation. Il va me pointer sur la doc. Et là, on a toute la doc qui explique. Sinon, je peux te mettre le lien accessible dans le chat. Comme ça, tu l'auras. Wow. Ça rame chez moi. Attention, on risque de se faire désintégrer, je ne sais plus si. Ok. Bon. On termine la Ouais, session. Merci merci Xavier. à vous. Vous pouvez venir vers moi comme vous voulez. Ouais. Tu te balades sur Je les vais me tables. balader, je vais rester un petit peu ce matin surtout. Et puis après, il y a d'autres moyens de se voir. Il n'y a pas de souci, je suis très très accessible. Ok. Merci, bonne journée à tous. Bonne continuation dans la Amusez-vous bien, il y journée. a plein de talks intéressants.